Yo. Yo. Alors, hop. Non. Si, bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu The Highway Run. Je sais pas parler anglais, donc voilà. Ou, pardon, comme c'est écrit dans le titre, on joue un chasseur de primes de l'espace. Enfin, c'est un chasseur de primes, mais de l'espace parce qu'il y a un vaisseau spatial. Bref, j'ai fait la démo pour voir ce que ça donnait. Mais on recommence du début. Hé, hey, le flic, c'est toi qui as posé des questions. Tu veux parler de Harry le rat? Je ne suis pas flic, je suis pire que ça. Il t'envoie ses salutations. Donc, appuyez sur Y. Putain de mutant! T'as renversé ma bière! Alors, on danse. Eh ouais, j'ai trois lames. Vraiment attaque. Alors les attaques à l'épée peuvent également toucher les ennemis qui se tiennent derrière vous. Ok, oui, parce qu'il fait des mouvements amples. Et ouais, ça s'appelle des esquives, mon gars. Tuer l'ennemi. Ok. Si l'ennemi bloque les coups avec une épée, brisez son blocage avec un troisième bras. Appuyez sur RB, sélectionnez le troisième bras, déplacez la souris ou le joystick droit rapidement vers l'ennemi. Ok. Bam! Vous avez brisé la garde. Vous avez brisé le blocage de l'ennemi. Achevez-le avec votre épée. Ouais, je me suis fait frapper. C'est parce qu'en fait, je voulais appuyer sur le bouton pour. Attaquer l'ennemi avec le troisième bras avant qu'il ne puisse bloquer. Parce que vous êtes à court de biométrique. N'importe quoi, ça commence bien. De bioénergie. C'est écrit là-haut. Les attaques de votre troisième bras sont plus faibles. Contrez les attaques ennemies pour récupérer de l'énergie. Ah voilà, c'est ça que je voulais faire. Le flash bleu indique que vous allez être attaqué. Contre-attaquer l'ennemi juste avant que son attaque ne touche. Ah voilà, c'est ça que je voulais faire. Les contre-attaques tuent instantanément l'ennemi et restaurent l'énergie de votre troisième bras. Je fais rien, j'appuie juste sur le bouton, hein. C'est lui qui fait tout seul. Des coups de lame, des coups de machin. J'appuie juste sur le bouton et fais une contre-attaque. Oh. Oui, il a trois lames, il peut bloquer trois personnes. Compteur d'énergie plein, frapper un ennemi avec le troisième bras nécessite un segment de compteur. D'accord. Où est le rat? J'ai oublié d'appuyer.
En fait, le truc que j'ai, enfin que j'aime pas dans ce jeu, enfin que j'aime pas, c'est que en fait les dialogues des fois sont trop rapides. Et c'est pas moi qui dit je lis le dialogue, j'appuie sur un bouton pour que ça passe. Et dans les options, il n'y a pas en fait. Donc des fois les mecs disent je vais te buter putain. Et hop, tout de suite le truc il est parti et ils mettent un autre truc, machin, et tu dis attends les gars. Où es-tu le rat? Donc des fois je vais lire et des fois j'aurai pas le temps, donc je vous laisse au bon soin de. Bon bah. Voilà, mais j'ai même pas eu le temps de voir. En gros, ils vont m'apprendre à utiliser mon bras. Mon troisième bras. Ouais, là, c'est pas dur. Le truc du troisième bras, c'était pas. C'est dommage, dans les options, on peut pas régler la vitesse du texte ou que ça le dit, et puis qu'après, on doit appuyer sur un bouton pour passer au texte suivant. Ça aurait pu être cool. Je sais pas, ils ont peut-être voulu le rendre dynamique ou je ne sais guère. D'accord, Laura, maintenant que. Voilà. Et en fait, vous voyez, il y a une. C'est moi, si j'appuie sur Y, je peux passer le texte en fait. Ou alors, ça passe tout seul. Mais il n'y a pas de vrai. De temps. Allez! Ouais, j'ai eu mes premiers 10 euros. En haut à droite, enfin je sais pas si c'est des euros, mais. Et voici mes épées. Vous m'avez manqué. Alors, vous avez reçu des épées. Trois épées en acier composite peuvent être utilisées pour attaquer avec croix, enfin avec X, et contre-attaquer avec Y. C'est parti. Eh bien, tu as découvert l'identité de notre invité. C'est un chasseur ordinaire, patron. Mais il dit qu'il est ici qu'il est mort, quoi. Ne crois pas aux rumeurs. Bon sang, comment s'en est-il sorti? Attrapez-le! Utilisez des Steam Packs pour restaurer de la santé. Vous pouvez voir combien de Steam Packs vous avez ici. Cherchez des sacs pour augmenter le nombre d'emplacements de Steam Packs. Ok. Voilà. Jusqu'à appuyer sur un bouton. Salut les gars! Par contre, il y a un ennemi qui. Vous allez voir. Il y a un ennemi qui me met un peu plus de. Comment on dit ça? Bah, il me dérange un peu plus. Jonathan? Jonathan? Bon sang, qu'est-ce qui ne va pas avec la connexion? Jonathan, c'est un pote. Deux ennemis. Allez,
crois que c'est... Non, c'est après. Hayden, Hayden, tu m'entends? Je t'entends, Jonathan, je vais bien. J'ai pratiquement mis la main sur le rat, ne t'es pas compris. C'est ceux qui tirent. Plus résistant que les autres. Voilà. Est-ce parce que en fait eux je peux pas faire genre j'appuie et je renvoie les projectiles ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, pour l'instant on me l'a pas dit. Jonathan, j'ai besoin d'aide pour une porte verrouillée. Un terminal fonctionnel, je verrai ce que je peux faire. Je t'appellerai une fois de... Ok. Hop. Bon, je me suis enflammé, j'y appuie. Sans ce steam pack. Ah, voilà un petit coffre. Les coffres, ça fait plaisir sans. Ok. Quand je suis au-dessus, voilà, je peux faire une attaque ninja. Jonathan, il y a une trappe verrouillée ici. Des idées? Il semble y avoir une serrure magnétique. Tu dois trouver et détruire le bloc d'alimentation. C'est rond et environ de la taille de ton poing. Es-tu sûr? Je ne vois rien de tel ici. Cela pourrait être dans un mur ou un plancher. Utilise ton scanner. On va apprendre le scanner. Donc si j'appuie là, ah, on voit un fil. Et voilà. Les attaques avec des éclairs rouges ne peuvent être contrées ou roulées pour esquiver. C'est vrai que lui il est rouge. Eh ouais mon gars, j'ai utilisé mon bras mécanique. Ces petites phases là où on peut tuer par une petite trappe comme ça ou par au-dessus, machin, ça me fait penser à Mark of the Ninja. Oh salaud. Jonathan, tu es là, ce terminal pourrait-il la faire une seconde. Terminé, la porte est ouverte. Ok. Merci. Normalement, je crois qu'il n'y a pas de dégâts de chute, donc... Ouais, un coffre. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Élément cybercardiaque 1 sur 3. Collectez 3 éléments cybercardiaques pour augmenter votre santé de 25% de façon permanente. C'est cool! Allez! Bah non. Pourquoi j'ai voulu rouler? Thank you.
Ah, trop tôt. Et voilà. Je vais mourir. Je vais mourir. Voilà. Ah mais à chaque fois je roule. Je vais mourir. Ouh. Voilà, j'ai spammé. Qu'y a-t-il à droite? Il y avait un coffre, c'est ce qui protégeait. 100 balles. Un coffre. Bon, on en fait de la grimpette. Waouh. Ah oui, c'est vrai, je suis passé par là et je peux plus remonter. Ah, trop tôt. Et je suis mort. J'ai fait trop tôt. J'ai... ouais, reprendre un peu de contrôle. Ça doit être où devant la porte? Ah non, je... Ah, c'est là. Soit je débarque par au-dessus, mais non, je préfère pas. En fait, c'est pareil techniquement. Hein ? J'ai appuyé ! Oh ! J'ai appuyé, c'est dégueulasse. On va essayer par au-dessus. Ah, c'est un peu plus cool. Ah d'accord. Ah, trop tôt. Et là j'aurais dû rouler. Et donc ici c'était mieux. Pour tuer le gros en fait avec le bouclier. Hop, je me steam pas. Ah oui, et puis lui il est. Alors, ok, ça se casse, mais on récupère rien. Alors, où est le rat? On fait encore de la grimpette.
Et là, il est mort. Pas si vite. Faudrait que je trouve un Steam Pack par contre. Ok. Oh non, je l'ai fait un poil trop tôt. Je l'ai anticipé. Je suis déçu. Là, je suis déçu. Attends. Je sauvegarde là, mais j'ai tué les mecs là. Je regarde si j'ai... Ouais, si ça a pris le coffre. Ah ouais, on rigole pas avec les coffres. Hein. Attention. Hein. Proto. Et je... Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai fait des... bêtises. Parce que je veux me précipiter. Ah voilà. Bon, on dirait qu'on a besoin d'une clé et je vais aller demander aux gardes. Donc ici on peut pas. Sont résistants les snipers. Hein. Autant les autres, je les défonce assez vite, autant là. Par contre, au corps à corps, ils ont beau être résistants. Les coffres ils me donnent que de la thune quoi. Tout à l'heure il y en a un coffre qui m'a donné un truc bien. Le truc pour le cœur là.
pochette Steam Pack. Ajoute un emplacement de Steam Pack. Voilà. Attends, j'en ai deux. Ils ont torturé et tué un autre trois bras. Le rat paiera pour ça. Que faisait-il ici, à ton avis? En jugeant par ce qui reste de son équipement, c'est un chasseur comme moi. Une seconde, je capte un signal faible venant de son corps. Fouille-le, peut-être pourras-tu découvrir son identité et avertir ses proches. C'est un autre mec comme moi. Qui était-il? Qui nous sommes? Laissez-moi le voir. Le voilà, patron. Et maintenant, tu vois où ta curiosité t'a mené. Bien, mon ami devrait liquider tous ceux qui sont entrés en contact avec toi, n'est-ce pas, Billy? Il s'appelait Billy? On a peur, patron. Ah non. Et il n'abandonnera pas, crois-moi. On ne l'appelle pas mâchoire d'acier pour rien. Mais tu peux soulager leur souffrance et nous faire gagner beaucoup de temps. Non, patron. Il veut qu'il souffre comme lui. Alors pourquoi on est encore en train de... Compris, patron. Terminé. Tu n'aurais pas dû te mêler des affaires de mâche... De quoi? Mâchoire... Hop. Eden, tu vas bien? Ta fréquence cardiaque est très élevée. Je vais bien, donne-moi juste une seconde. Tu as trouvé quelque chose? La seule chose que j'ai trouvée sur le corps, cet appareil, on dirait une sorte de scanner. Oula, c'est cher ce truc. On avait vu de tel que sur Gigapolis, ce type devait venir de là-bas. Qu'est-ce que ça fait? C'est une visière de chasseur. Connecte-la à ton scanner et tu observes quelques sbires du roi. Donc, modificateur de scanner pour voir les criminels recherchés. Donc ça veut dire que maintenant, avant de buter des mecs, vous allez voir, hein, de toute façon ils vont faire voir le... Voilà. C'est une nouvelle visière, active le scanner. Donc, j'active le scanner. Et on voit que lui, il y a une prime. Ouais, donc cette chose marque les criminels dont la tête a été mise à prix. Bobby Joe, recherché. Oui, il ne te reste plus qu'à les neutraliser, puis à les envoyer là. Pardonner de leur corps aux autorités pour la téléportation. Entends-tu par téléportation? C'est une nouvelle technologie, la moitié des personnes qui l'utilisent en sorte de tout retourner. Alors ils testent sur des criminels. Désolé pour le bruit. Ne reste pas trop près. Ah, c'est ce que j'ai pas fait gaffe la dernière fois. Quand je l'ai fait en fait dans la démo. Je suis resté à côté et le truc il m'a mis un coup. Ah, enfoiré. Viens là, ça sera mieux. Voilà, n'oublie pas d'envoyer le criminel aux autorités. Donc je me mets là. Je fais ça. Il va y avoir une barrière, donc je m'écarte. Portail. Téléportation. Et j'ai gagné 500. Merci pour votre coopération. Voilà. Et donc, vous voyez les coordonnées des criminels. Et donc, voilà. Donc, faut que je fasse ça tout le temps pour avoir plus de pognon. Parce que n'oublions pas. Je suis un chasseur de primes. Et les chasseurs de primes? Bah, on est là pour la prime.
Ah oui, on l'a ouvert. C'est aussi, c'est là. Élément Cybercarjack 2 sur 3. Collecte 3 éléments sur 1, hein, ok. Bien, bien, qu'avons-nous là? Petit insecte, toi, trois bras. Tu ne peux pas me laisser tranquille. As-tu vu le transecte qu'on a écrasé sous notre botte? Il criait tellement fort. Tu paieras pour ça. J'envisageais de te taper vivant, mais le client s'en moque. Pour être honnête. Tu vois, j'ai mis tu paieras pour ça. Oh, le petit insecte aime faire des menaces. Attrape-le, Rex! Je suis dégoûté parce que je l'avais bien géré et en fait j'ai trop esquivé avant qu'il me fasse un coup et du coup je me suis un peu emmêlé. Alors qu'il restait plus grand chose, mais bon, c'est tout moi ça, c'est tout moi. Des fois je veux mes, des fois je veux mes, comment dire, aller trop vite. Voyez là, j'ai voulu aller trop vite. Et je l'ai même pas.
Hop, la montre. Oh non, mais c'est pas possible. Toujours cette phase-là, hein. Je devrais pas me faire toucher, non. Ah, voilà. Il est mort. Quand Rex aura fini de s'amuser, faites fondre l'armure de trois bras et... patron. Quoi, c'est fini? C'était rapide, Rex. C'est embarrassant. J'espère que tu ne penses pas. Hein, je vais s'enfuir. Ok. Alors? Bah. Sous de ma gueule, j'appuie. Ah, j'appuie pas sur le bon. J'appuyais pas sur le bon bouton. Par contre, les décors sont magnifiques. Alors, épuiser la santé du rat pour le prendre mort. Pour capturer le rat vivant, attaquez-le avec votre troisième bras pour épuiser sa conscience. Thank you.
sortir. Ah, il faut. Mais trop de temps. Je vais mourir. Ouais. Non, j'arrive pas. J'ai voulu faire le truc du bras, mais ça marchait pas. J'ai mal géré, mais là je vais mieux gérer. Allez, on va le prendre vivant. Ah non, mais c'est pas. C'est pas possible. Voilà. Alors, les mouvements d'Aiden sont limités lorsqu'il transporte des cibles. Il laisse instantanément tomber le corps quand il doit sauter, faire une roulade ou attaquer. Nathan, j'ai attrapé le rat, sortons d'ici. Des coordonnées, recherche d'un site d'atterrissage. Essaye de trouver quelque chose de plus proche, je ne suis pas tranquille, hein, compris. T'as plus qu'à 300 mètres. Ouais, voilà, je voulais faire ça, mais j'ai pas trouvé le. Est-ce que le reste spécifiquement dit de l'attendre ici? Chut, tu sais qu'il n'aime pas qu'on l'appelle ainsi. Que fait-il lui là? C'est lui là? Attrape-le par le côté. Eh oui, je suis mort. Pourquoi? Parce que j'ai appuyé trop tôt. Ça, ça m'arrive tout le temps. Je détecte beaucoup de cibles vivantes dans ce bâtiment. Une embuscade. Ça ressemble plus à une planque. N'oublie pas d'utiliser ta visière. Il pourrait y avoir des criminels recherchés là-dedans. Il y en a une.
Quoi? Ah, ça me saoule parce que des fois t'as... je vois la lumière bleue, j'appuie et ça marche pas. Ah oui, merde, j'oublie le rat. Hop, 500 balles. Ah, attention. Envie d'éternuer. Par contre... Voilà. La visière permet d'envoyer des coordonnées aux autorisés à tout moment. Tu sais, je ne peux pas faire ça, j'ai besoin de ces informations. Encore une chose à propos de ta visière. Je détecte un grand nombre de cibles vivantes dans le bâtiment, n'oublie pas de les scanner entre... Ici, il n'y avait pas. Non, ça, je crois que c'est le bâtiment d'en face. Parce que j'ai déjà fait l'autre. Et je suis à 2750 $. Allez, on monte dans le vaisseau. Nathan ouvre le congélateur. Prenez numéro 1. Allons-y. Allez dans le compartiment. Voilà. Cargaison stabilisée, le vaisseau est prêt à décoller. D'accord, donc salle de commande. Ah, mon petit nid douillet, donc ça c'est sa maison, ça c'est le truc. Waouh, ça en compte, c'était tout neuf. Pardon. Tu buvais au bar. Ok. Bon, ça doit être devant. Hein. Hop. Bon, on y go, on attrape le rat. Partons de cette planète. Pour
Première prime. Secteur frontalier. Station de ta. Je vois comment ils appellent ça. Récupérer le corps du rat dans la soute. Là. Non, là. Ah bah ce coup-ci il court. D'ailleurs il courait pas, si. Patron, il arrive. Ah, c'est Harry le rat, bon sang, tu l'as eu. Je vais en informer un. Désolé Ivan, pas aujourd'hui. Oh alors tu la portes à lui. Bonne nouvelle Aiden, j'ai des tonneaux que tu cherches, merci Lee, je reviendrai plus tard. Ah, c'est lui là-haut, non? Je ne pensais pas que tu viendrais, est-il vivant? Oui, mais cela n'a pas été facile de se retenir. C'est pas nécessaire de se retenir, je n'ai besoin que de son bras. Pose-le sur le sol. Merci, chasseur, ton paiement a déjà été crédité. 6500. J'avais promis autre chose. Tu crois pouvoir être à la hauteur? J'ai déjà envoyé une dizaine de chasseurs à ses trousses. Aucun n'est revenu. Je suis différent. Certains d'entre eux étaient différents également. Très bien alors. Billy Mâchoire d'Acier sur Serena. C'est grand Serena. Billy adore creuser dans les ruines de l'Empire. Pour autant que je sache, il n'y a qu'un site qui pourrait lui correspondre. L'Institut 60. Tu sais où c'est? Je trouverai, merci. As-tu encaissé ton butin? Oui, montre-moi ce que t'as. Acheter des pistolets auprès du négociant sur le marché noir. Attends. Vous avez déjà ça. Vous avez déjà ça. Donc c'est ça. 3 pistolets légers peuvent être utilisés en tirant sur 3 cibles en même temps. Appuyez sur RT pour tirer. Acheter. 3 pistolets légers peuvent être utilisés pour tirer sur 3 cibles en même temps. Appuyez sur RT pour tirer. Ok. Est-ce que t'as d'autres trucs à... Ça c'est quoi? Munitions de pistolet. Bah ouais. Ça c'est quoi? Dispositif magnétique accélère les balles permettant de vos tirs de pistolet de transpercer un ennemi et d'infliger des dégâts à celui qui se trouve derrière. C'est cool ça. Il me reste 2000. Ça c'est quoi? Stocker plus de bulles pour utiliser le troisième bras. Et ça. Mise à jour du logiciel de combinaison permet d'utiliser un ennemi assommé comme une arme.
L'ennemi assommé inflige des dégâts à un ennemi sur son chemin. Ouais, quand je tape, ça propulse sur l'autre. Non. Peut-être prendre un truc comme ça. Voilà. Connais-tu les coordonnées de Serena? Oui. Ajoute-la à la carte de mission. Là, il y a quoi? C'est fait. Viens en paix, chasseur, il n'y a rien derrière cette porte pour ceux qui ne cherchent pas la connaissance. Ok, bah, de toute façon, on peut pas y aller. Bon. Là, il y a quoi? Ok. Bon, on va y aller. Hein. On peut parler à lui, non? Je sais rien. Bon, bah, allez, on fait la prochaine prime. Où vas-tu, trois bras? Tu pensais que ton vaisseau est difficile à suivre? Où est le rat, mutant? Qu'est-ce que tu n'est pas le bras? Pourquoi diable as-tu prononcé mon nom? On est obligé de te tuer maintenant. Pardon. Alors, je sais pas c'était qui les mecs. Ah oui, c'est les mecs du rat, d'accord. Bon bah, on est parti sur Serena. Hein. Non, c'est pas là-bas. C'est là. Go Serena. On va aller voir, on va essayer de trouver la mâchoire. Comment c'était Billy la mâchoire? Secteur frontalier Serena. Où sommes-nous? Bah, Serena. Coral B, une colonie ordinaire et isolée dans les mondes de périphérie. Toutes mes données sur l'Institut 60 pointent vers cet endroit. D'accord. Écoute, vérifie les contacts de Billy, tu pourras tomber sur quelqu'un qui le connaît. Pardon. Je n'ai pas envie de fouiller chacune des cabanes de cet endroit. Seulement une correspondance trouvée. Si peu, qui est-ce? Comment on le trouve? Propriétaire de salle de billard locale du nom de Bob Juarez. Juarez. Par contre, les décors sont magnifiques. On distingue deux planètes ou plusieurs lunes et tout ça, ça donne envie quoi. Ça faisait longtemps qu'on en avait pas un. Quel dommage, cet endroit est paradisiaque. Arrête de jacasser. J'ai tout compris. Vide tes poches ou on fouillera ton cadavre perforé. Je voulais essayer mes nouvelles armes sur quelqu'un.
Merde. Attends. Qu'est-ce que ça dit Utilisez vos pistolets pour les attaques à distance. J'ai pas compris tout de suite et je me suis fait défoncer, mais apparemment. D'accord. On peut tirer sur les mecs à distance. À quoi ? On peut passer ? C'est une cible. Ah bah cool. Ah, on peut le faire. On peut le faire après que qu'on les a tués, d'accord. J'ai eu 500. Ah bah voilà. Je pensais qu'il fallait le faire avant et d'accord. Tu veux te faire un peu d'argent? Trouver un boulot? Tu sais où je peux trouver Billy, le mâchoire d'acier? Tu sais où je peux trouver... Tu veux creuser ou quoi? Dégage-le avant qu'il ne te trouve. T'as signé pour ça, l'ami? Où est le pognon? Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? On a fini ici, quoi? Je détrousse les idiots, des idiots comme toi. Vite tes poches. Tu devrais vraiment faire plus attention. Merci mon pote. Ah mais... Le truc c'est... D'accord. Le truc c'est que ça servait... Merde, ça servait à rien. Je croyais qu'il y avait un truc en bas donc je me suis dit je vais pas... En fait non. En fait non. Technomagie quoi? C'est une recherche sans fin au nom de la science. Recherche d'images pour devenir pouvant devenir des clés. Une clé peut être n'importe quoi, un prière, un mantra, une posture, un geste, une combinaison de tout ça. La fraternité est prête à partager les clés qu'elle trouve avec quiconque en apporte une nouvelle. La technologie n'est pas une religion. C'est une recherche sans fin au nom de la science. J'ai tué, je sais même pas pourquoi. Ça doit être la salle de billard. C'est toi, Bob? Bob? Je ne vois pas de qui tu parles. Voilà Bob Roret, son visage correspond à l'image de la base de données. Détends-toi, Bob. Il n'y a que Billy que j'en ai. Alors, c'est Bob ou Billy? Je suis confus, au fait, je m'appelle Mike. C'est un bel endroit que tu as là, Bob.
Je me sentirais vraiment mal si je devrais le réduire en miettes. Quel est le problème? Qu'on sorte cette ordure de ma salle de billard. Et oui, je suis mort comme parce que j'ai rien compris. J'ai vu des mecs sauter, je me suis pris des tirs, ça m'a... J'ai rien compris. Et maintenant, je dois brûler cet endroit. D'accord, d'accord, je vais te le dire. Il est dans les égouts. Bien essayé, mauvaise salle de billard. C'est vrai, j'ai entendu dire qu'il avait trouvé des ruines impériales là-bas. Il utilise notre tour de communication orbitale. C'est la seule avec ce genre d'antenne parabolique. Pardon. Le câble, celui-ci, me mène tout droit, ça pente. C'est possible. Si tu me connectes à cette antenne parabolique, je pourrais configurer le scanner pour détecter le câble de communication. Ton antenne parabolique. Elle est au-dessus? Non. Elle est plus loin. Allez là. Je regarde pas en bas. Encore de la grimpette, hein. J'ai voulu tirer dessus, mais ça n'a pas marché. Voilà. Par contre... ouais, les autres sont morts et je sais pas s'il y avait des primes, mais tant pis.
Nathan, j'ai trouvé l'antenne parabolique dont Rorès parlait. Peux-tu régler son scanner sur sa fréquence? Un instant. Et Billy, il y a notre vaisseau minier qui est entré dans l'atmosphère il y a 10 minutes. Et pourquoi ne suis-je pas informé? N'en suis-je qu'informé que maintenant? Pardon. On dirait que l'autre côté de... On était de l'autre côté de la planète. D'accord, ne panique pas à cause de ça. Un autre crâne pour ma collection de mineurs. J'attends la deuxième voix, c'est Billy. Oui, ton scanner peut désormais détecter la cible qui mène à lui. Excusez-moi, je regarde vite fait. Un truc. Hop. Excusez-moi. Alors, comment je fais? Non, c'est pas ça. Ça. Et voilà. Voilà, désolé. Il fallait que je banne quelqu'un. Alors. Utilisez votre scanner pour trouver la planque de Billy. Ah oui, d'accord. Comment je suis... Ah. Ok, c'est en bas. Moi, d'abord, il faut que je fasse... Il faut que je meure. Pardon. Je voulais aller chercher le coffre, mais apparemment... je suis où là? Ah, je suis là. Trompé de bouton, désolé. Putain, j'ai plus de vie et... Cellule bioénergétique. Stocker plus de bien pour utiliser votre troisième bras. Ah, j'en avais acheté un, mais... Par contre, ils sont où les mecs que j'ai défoncés là? Ah, ils sont là. Ok, il n'y a pas de frame. Pourquoi aime-t-il autant creuser sous terre? Fait pour le fun. Hop. Utiliser le harpon. Oui. Permet d'accrocher et de tirer des anneaux. Attends, je recommence. Hein.
permet d'accrocher et de tirer sur des anneaux pour ouvrir rapidement de longues pour couvrir rapidement de longues distances. Pardon. Appuyez sur LB pour vous hisser jusqu'à l'anneau du harpon. C'est utile. Ah oui, non, c'est utile. D'accord. Alors, vous pouvez voir toutes les mises à niveau trouvées et achetées sur l'écran des mises à niveau. D'accord. Permet d'accrocher et de tirer sur des anneaux pour courir rapidement de longues distances. Ouais. Ah oui, mais on peut pas les acheter parce qu'il faut les acheter au magasin. Ok. Des balles, utilisez le harpon pour vous hisser au... ok. Alors... Maintenant, il y a de l'électricité. Ok. Ça sert à rien de mettre des trucs comme ça si on peut pas s'accrocher. Hein. Non? Je sais pas. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ah oui, d'accord, on peut tirer. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Un peu compliqué, mais c'est bon. Esquive, je sais pas pourquoi. Enfin, je l'ai dirigé en l'air, mais. Ah, et puis là, il s'accroche. Comme ça en passant. J'ai appuyé tout de suite en fait au lieu d'attendre. Ah, attendez, je vais me moucher.
Alors. Pardon, encore trompé de bouton. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a appuyé sur le mauvais bouton. De toute façon, j'ai dit... Attends, on peut remonter ? Oui. Il y avait quoi là-bas ? Je vois que je peux... Parce que là, il y avait une pièce, mais... Ah d'accord, ça peut... Je peux pas... Ok, ok. J'ai vu des grilles, des machins, je me suis dit, il y a peut-être un truc, mais en fait, non. Ah, c'est là. J'ai vu des grilles derrière, et c'est pour ça que je m'étais dit... Peut-être qu'il y avait quelque chose, mais...
Quelle puanteur, je ferais bien de ne pas tomber dedans. D'accord, j'ai hésité avec le bouton pour dégainer donc. Mais en fait non, maintenant j'hésiterai plus. Parce que je viens de me faire un petit truc mnémotechnique dans la tête. Jonathan, t'as vu ça? On dirait que Billy est plutôt connu parmi les trois bras. Ouais, tout d'un coup, je me fais du souci pour lui. On dirait qu'elle est arrivée. Ouais, ça me chagrinait. J'ai été voir, j'ai perdu. Attends, elle est arrivée ici. Si je veux, je peux descendre. Mais... ah merde, les corps ont disparu donc je pourrais pas les scanner, c'est pas grave. Ah oui, c'est le... non, je peux pas descendre, d'accord. Bah voilà, on va faire ça. Ah, j'avais pas vu, j'avais vu des trucs. Et je suis mort. Pourquoi? Parce que les mecs, je voyais pas quand ils faisaient leurs attaques. Thank you.
tous attaquer en même temps. Non, en fait, je devrais y aller, faire une roulade. Je crois que sur la gauche, la pièce est plus grande. Il se fout de ma gueule ou quoi? J'ai appuyé. Ce coup-ci, j'avais le doigt sur le bon bouton. Non, mais. Non, là, c'est hallucinant. Voilà, j'ai fait exactement ce que je viens de faire là. Je sais pas pourquoi ça va marcher. Il n'y avait rien. Ça n'a pas l'air. Oui, le meuf elle est partie en bas. T'as vu quoi en bas? Ok, il y avait rien. Qui peut-elle bien être? Le truc c'est que j'aime bien fouiller alors. Ouf, allez, on recommence. N'est pas
Ok. Qu'est-ce que ça me donne? Ah bah voilà. J'ai eu 25% de... On a trouvé le troisième. Alors, niveau de la vie, c'est bon. On va arriver là. Attends. Non. D'accord. Si tu savais ce que Billy a fait à nos gars, tu ne travaillerais pas pour lui. Bah, je travaille pas pour lui, je suis un chasseur. Tu ne peux pas le sauver. Bon sang! Laisse-moi lui parler. Merde, on dirait que... J'ai avancé pourtant, hein. Pour aller là-haut, mais... On doit atteindre Billy avant. Non, c'est ça que... Je fais n'importe quoi. Il est où lui? Là c'est quoi, y a rien. Ça ne se rend plus aux égouts. S'il s'agit de l'Institut 60, alors Billy n'est plus très loin. Et c'est caché profondément. D'accord, il faut au forage. Ça fallait le savoir. Moi j'ai vu le bloc, je me suis dit je vais monter sur le bloc et puis voilà. Et en fait non. Ouf, j'ai failli être écrasé.
n'aime pas me répéter, mais Jonathan, est-ce que tu vois ça? Un autre laboratoire impérial de cybergénétique? Combien en avons-nous déjà trouvé? 3? Oui, mais il y en a beaucoup plus dans la galaxie. L'Empire avait besoin de nombreux 3 bras. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On monte dessus. Et oui, maintenant moi aussi j'ai une flingue. Quelque chose. Ça va, au niveau de la thune, on est bien là. Oh non. Elle a couru juste... D'accord. Ah, j'ai vu les trucs descendre, je me suis dit ça y est. Oh les gars. Alors qu'il fallait, faire un coup de grappin, mais j'ai eu la pression du rouleau. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis le son là-dessus. Disons que c'est moins stressant avec le son. Enfin, sans le son. Eh ben, ça en fait des pièges. Alors, les rumeurs étaient vraies, tu as survécu. Mais comment? Je vais moi-même t'exploser la cervelle. Tu m'as beaucoup fait courir, Billy. Oh non, 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 tu n'as pas encore couru. Maintenant, cours. D'accord, je sais quoi faire. Je sais quoi faire. Elle a découpé Billy. Bon sang, mince. Ce tas de viande hachée n'a plus rien à dire. Bon sang.
Mais d'où sort-elle? Par contre, je dois pas la récupérer? C'était pas ma prime? Jonathan, je l'ai perdu. Que s'est-il passé? Je n'ai rien compris. Je te le dirai quand on va décoller. Oh oh, ça fait combien d'années? Alors tu t'es décidé à rendre visite à ton vieil ami pour lui apprendre à vivre selon la loi? J'ai vu un ordre te concernant dans le système, alors j'ai décidé d'aller voir comment tu te portais. Oh, alors suis-je en état d'arrestation? Il faut que tu gardes quelque chose pour moi. Ils ne penseront pas à chercher ici. Où va le monde? Le meilleur chasseur des secteurs frontaliers vient demander de l'aide à un criminel. Je ne suis pas venu ici pour me disputer avec toi. Je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors on... Oui, ton père avait raison. Mince. Eh bien, on devrait boire à ça. On pourra boire quand ce sera fini. Tu ne veux pas qu'il me suive jusqu'à cet endroit. Cette puce contient des coordonnées et des instructions au cas où il me mettrait la main dessus. Que dois-je faire de ça? Un souvenir. Ah oui, là c'était l'entrée de la ville. Je retourne au vaisseau. Je sais pas si ça va nous compter. Bah non, ça nous compte pas comme la prime. Vu que... Comment on appelle ça? Et il est mort et je l'ai pas ramené. C'est notre dernier indice, merde, deux ans foutu en l'air. On devrait voir ce que nous pouvons trouver sur son tueur à trois bras. Comment pouvons-nous la retrouver? Billy avait beaucoup d'ennemis. Eh bien, vu comment elle t'a semé, je dirais que c'est aussi une chasseuse de l'espace. Mais on connaît tout le monde ici. Dans les secteurs frontaliers, oui, mais si elle venait des mondes du noyau. Si c'est une chasseuse, elle doit être inscrite dans des bases de données, ça pourrait marcher. Je vais lancer une reconnaissance sur celle illustrée. Et voilà. Combien de temps ça va prendre? Il y a beaucoup de chasseurs dans le monde du noyau, plusieurs jours, voire des semaines. D'accord, en route pour la station de train. Que comptes-tu faire? Picoler. On retourne à tard. Eh bien, joyeux anniversaire, c'est déjà le 10e. Tu es ivre et tu vois double, mon pote. Ce n'est que le 5e anniversaire. C'est que je ne bois pas au travail, Aiden. Tu sais que je ne t'avais encore jamais vu comme ça. Tu es endeuillé? Je pleure le départ de mon homonyme Bill. Il est mort trop jeune. Il ne pouvait pas tenir une minute de plus, ce con. Aiden, ai-je bien entendu? Qui le demande? Colonel Stringer. Stringer, pardon. On m'a dit que je pouvais trouver le meilleur chasseur de l'espace des mondes périphériques dans ce bar. Et qu'il s'appelait Aiden. Ah non, ce n'est pas moi.
Du moins pour aujourd'hui. Ça pourrait t'intéresser, c'est à propos du criminel le plus dangereux des mondes périphériques. Vraiment le plus dangereux? Non, je l'ai vu de mes propres yeux devenir une décoration pour un laboratoire secret. Et étant donné qu'il est mort, il n'est plus le plus dangereux, pas vrai? Tu es peut-être un impérial, mais ta logique est bonne. Bill offre-lui un verre à mes frères. Mais techniquement, on est tous d'anciens impériaux, non? Ouais, mais on était dans les camps opposés dans l'Empire. Jonathan, sauve-moi de cette confrérie. Allons nous amuser à l'air. Il y a une fête en l'honneur de la mort de Bill sur Serena. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je veux danser sur sa tombe. Et Basim Salamander, il était aperçu. Salamander? Qui? Un bandit, il est recherché. Rappelle-moi de ne plus jamais t'inviter à t'amuser. D'accord, allons-y. Putain, on y était, pourquoi on y retourne? On aurait dû rester. J'ai pas pu acheter du tout chez le vendeur. Alors on cherche qui? Un pickpocket du coin, Basim Salamander. C'est une célébrité locale, grosso modo. Une célébrité? Un pickpocket? C'est quoi là? Les traditions de Serena sont basées sur une corruption de longue. Voilà, regardez une poursuite, fait partie intégrante des festivités. Les gens du coin passent des commandes dans le système des chasseurs au lieu d'engager un type qui s'en occupe. Merde, Jonathan, depuis quand faisons-nous partie de ces spectacles? T'as pas dit que tu voulais t'amuser? N'abîme pas les accessoires, on a besoin de nos émissions vivants. Ça me stresse que son... Là, ça clignote. Là. Allez, chasseur, montre-moi ce que... Alors quoi, c'est Basim est-il vraiment criminel? Non, il est vraiment criminel? Bien sûr, Basim est le pickpocket le plus élusif de Serena. J'ai l'impression que même la police sera contre moi dans ce spectacle. Désolé chasseur, et je mets mon pognon sur Basim. Très bien, et il est où ce Basim? C'est en vous de le trouver par là. Je pense que notre pickpocket pourrait se cacher parmi ses pèlerins en robe. Un état d'arrestation. Oh, il est bon lui. J'arrive même pas à le voir. Alors je crois.
Je suis décédé. J'arriverai jamais à l'attraper, le bastion. Alors, t'as raté la cible. Il court plus que vous. Vous le voyez, vous? Je le vois même plus. Très bien, je me rends. Très bien, je me rends. Quoi, Dan? C'est toi? C'est quoi ce bordel? Tu fais le pickpocket de bas étage maintenant? Aiden, alors les mecs mentaient pas à propos de ton retour? De bas étage? Je suis l'un des meilleurs. Et pourquoi t'es là? Ça fait 5 ans et d'un coup... Tu veux m'apprendre la vie? Ça fera pas mal, promis. C'est ce que je dois avec lui, Jonathan. Déportation. Ramassage et livraison en main propre. Voilà. Et dans la chambre cryonique et livre-le. Tu le feras avec n'importe quel criminel. Déporte-le chez les flics pour une prime réduite si tu ne veux pas perdre de ton temps. Ouah, c'est pas grave. Sienna a vraiment des traditions bizarres. Mais c'est fun, merci. Ah non, mais c'est fun, merci, ok. En plus, je me suis trompé de côté. Allez, on y va. Bon, l'histoire, quand il y a des flashbacks avec son copain, j'ai pas tout compris. Mais ouais, il y a la 70 aussi.
La recherche t'a donné quelque chose. J'en suis à 37% des chasseurs de Gigapolis. Aucune correspondance pour le moment. Ouais. Je vois, alors je vais livrer Basim. Heureusement qu'il me l'a dit parce que j'étais parti sans lui. Basim, c'est la Mander attrapé vif. 3000. Salut Ven, j'ai une célébrité pour toi. Ouais, t'as attrapé Basim, laisse-moi remplir la paperasse. Ouais. D'accord, donc ça c'était à la prison. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Qu'est-ce que c'est ça? Accumulateur cinétique. Cet appareil vous permet de canaliser votre énergie de chute pour endommager les ennemis dans une petite zone. Appuyez sur bas et croix pour activer lorsqu'il s'agit d'une hauteur de 2 sauts ou plus. 3200. Ah bah je vais le prendre. On va prendre ça aussi. Voilà. Ah tiens, j'ai débloqué quelque chose d'autre. C'est ça que je voulais. Cette mise à jour du logiciel de combinaison vous permet de dévier les balles et les projectiles énergétiques avec des épées. Appuyez sur 3 au dernier moment pour éviter les projectiles. Ah fait chier, c'est ça que je voulais. C'est pas grave. Voilà. Combien ça coûte? 2950? Ouais, il me faut 1000. Il faut 1000 balles. Ça c'est quoi, un truc en plus? C'est bon. Tout le monde n'avait pas le choix. Nombre d'entre nous non plus, monsieur, je ne suis qu'un vieil officier en quête de justice. Sam Walker est un psychopathe et un criminel de guerre qui a commis de terribles atrocités pendant les soulèvements. Quelle atrocité as-tu commise? Si ce gars cherchait à se venger de toi, alors je dirais que c'est un héros. Si c'est un héros, monsieur, la base de données des chasseurs n'aurait pas placé une prime sur sa tête. Je vois que la conversation bat son plein. Je n'abandonnerai pas tant que ce maniaque n'aura pas été puni. D'accord, de quel genre de maniaque parlons-nous? Sam Walker, également connu sous le nom de Dodger, est aujourd'hui le chef d'un gang de charognards sur Rust, mais pendant les soulèvements. Ouais, j'ai compris. Jonathan, tu es là, on est indifférent ici, j'ai besoin de toi pour vérifier dans le système s'il y a une prime sur Sam Walker, également connu sous le nom d'Odger. J'ai un résultat pour ce nom, l'infraction rapportée est différente, il a détourné un vaisseau. Mon partenaire dit que tu mens. Ce Sam n'est qu'un pirate de l'air. Hein? Ça me surprend pas. C'est pour ça que j'avais besoin du meilleur des meilleurs. Je suis le dernier témoin de ces crimes de guerre. Personne ne volerait vers Rust pour un simple pirate de l'air. Et même si un miracle se produit, Dodger ne servira que quelques années et en ressortira propre à nouveau. C'est pourquoi je vous garantis une grosse prime en plus des frais officiels si tu veilles à ce
que cela n'arrive pas. Qu'il ne soit pas dupe l'ami, on ne peut pas faire confiance aux impériaux. D'accord, impérial, je m'envolerai pour Rust, mais je ne promets rien d'autre pour le moment. Nathan prend la prime sur Sam Walker. C'est fait, quand partons-nous? Donne-moi quelques minutes. Là, il n'y a personne. Lui, il dit rien. Ça, c'est rien. Je regarde vite fait hein, s'il n'y a pas quelque chose. Là, on peut pas y aller. Au-dessus non plus, je suis sûr. Ici, il n'y a rien. Il n'y a personne. Fais confiance à cet impérial. J'en sais rien, mais je veux voir quel genre de personne peut agacer autant les impériaux. Là, toujours pas. Lui, il dit rien. Ah, ok, bon, on y va. On y va. Direction Rust. Ah non mais les arrivées sont ouf. Bienvenue sur Rust. Quelque chose sur ce Dodger. Il semble qu'il ait été aperçu plusieurs fois dans un bar appelé le Jet. Il a fait atterrir le vaisseau à proximité. Ça, c'est sympa, ça. Quelle étrange planète, on dirait un dépotoir. C'est un dépotoir. On y conduisait les vieux vaisseaux ici pour les recycler. Mais c'est devenu inutile après la découverte des cristaux à exsudation. C'est aujourd'hui une ruche de maraudeurs et de charognards. Je sais pas pourquoi ils mettent des couleurs sur les noms. Trois bras, stop. J'aime pas les trois bras ici. Oh, de la visite. Qui es-tu? Que puis-je faire pour aider un brave chasseur de l'espace? Je suis à la recherche de Sam Walker, alias Dodger. C'est le chef des charognards locaux. As-tu entendu parler de lui? Dodger, Dodger, je ne connais aucun Dodger, mais il y a un Sam qui vient ici une fois par mois, ouais. Mais il n'a vraiment pas la tête d'un chef de gang, on dirait une sorte d'ermite. Et il vient généralement du territoire des charognards. Il se plaint souvent d'eux, d'ailleurs, il dit qu'il viendrait plus souvent si il n'empêchait pas. Où se trouve leur territoire? Tout droit derrière mon bar. Sors par cette porte, puis descends de l'autre côté. C'est là que se trouve le charognard. Merci. Attends, chasseur. Il a parlé de la plus grande soucoupe et je peux voir quelque chose de similaire d'en haut. Peut-être qu'il vit dessus. Merci, tu es le meilleur barman que j'ai jamais rencontré. Mmh.
l'avais pas vu ça, non mais attends. Waouh, les décors sont ouf. D'accord, il vit là-haut. Et les décors de profondeur sont magnifiques. On dirait que c'est cette soupe. Purée de pommes de terre. Je fais n'importe quoi. Ouais, par contre, comment on monte? Ah, par là. Les coffres, toujours les coffres, j'adore ça. C'est un vrai miracle, mais cet ordinateur fonctionne encore. Ah, on a peut-être pas dû actionner. Si. Non. Si. J'ai vu qu'il y avait un coffre. Ici, il y a quoi? Joli. Et d'abord, je dois aller chercher le coffre. Super. Si je commence à faire n'importe quoi. Non, c'est là-bas. Ah d'accord, oui.
voilà. Heureusement que j'ai pas fait le con. On fait un des trucs pour rentrer chez soi. Par contre. Ah oui, c'est les mecs qui sont morts, ouais. Je me disais merde, ces mecs-là, je les ai défoncés, mais pourquoi je retourne en arrière? Par contre, ils sont radins dans, dans leur coffre là. C'est un peu mieux. Voilà. Il a monté la corde assez rapidement. On dirait qu'il utilise une sorte d'appareil intégré. J'ai envie d'un appareil comme ça. Alors prends-le. Pourtant simple. Donne-moi ce truc. Viens le prendre. Oh là. Attention à ce que tu dis, mon gars. Ah.
exploré, espèce de connard. Oh. Le Sea World. Alors. Hop. Ouais, je vais l'attraper, va rien comprendre. Permet de grimper rapidement sur les cordes. Faites face vers le haut et sautez sur la corde ou appuyez sur haut lorsque vous tenez la corde. Vous tenez à côté de la corde. Intéressant cet appareil. Ouais, maintenant je peux monter sur les câbles. Une petite prime sur la tête. Ouais, ils veulent me dire que j'ai encore beaucoup à monter. Un moyen de franchir ce mur. Il me semble qu'il y a une perceuse géante par ici. Ouais, je viens de marcher dessus. J'aime pas cette idée. Je crois pas qu'il y ait un autre moyen. Meurs, hérétique.
Le quoi? Ah oui, bah oui, fallait l'arrêter. Et là maintenant, on va avoir une phase de run. Et j'ai mouru. Allez, c'est parti. J'ai fait n'importe quoi. Allez, on se concentre. Ok, j'ai pas eu le temps de lire, mais en gros, piou, c'était dangereux. Non, il peut pas monter. Oh là là, oh, les fées, tout magnifique. Je croirais dans Star Wars. Avec tous ces vaisseaux. Quoi maintenant? On dirait que la corde conduit. Ouais. Il y avait ici, mais. Il y avait une autre corde aussi. Lado John ne connaît pas ce passage. Fais attention, je détecte beaucoup de circuits sous tension sur ce vaisseau. Quoi? Soit il y a des pièges là-bas, soit le charbonnier. Ah, ok. Je comprends pas, c'est comment je fais pour le. Comment je fais pour le défoncer? Ça marche pas? Peut-être pas besoin en fait. C'est peut-être pour nous dire. C'est peut-être pour nous dire, ouais, tu peux pas le péter en fait. Ah non, il me dit, je peux pas passer.
500 dollars. Non, je sais pas comment on va dire ça, on est dans le futur. On est dans le futur, tout ça, on va dire. Je sais pas, ils mettent euros, mais non, ça doit pas être ça. On va dire des crédits. Je sais que souvent dans les futurs, dans le futur, quand tu veux donner une monnaie, un truc, tu dis. Je croyais qu'il avançait. Et en fait, non, il s'est arrêté. Putain, j'ai une petite douleur dans mon épaule. Je sais pas pourquoi. Je dois sûrement me tenir mal. Oui, si je passe comme je passe assez vite, ok. Bientôt arrivé. J'y suis presque. Et quoi à droite ? Ah, rien. De toute façon, je pourrais revenir. L'effet est fou, j'adore. J'y retourne 30 secondes parce que je crois que j'ai un truc que j'ai oublié.
Ah non, je peux pas monter. Bon allez, hop. On continue à droite. Que quelque chose habite ici, une sorte de technicien. Je crois que c'est notre Sam. Je ne sais pas, mais il n'aime pas les étrangers. Il y a un avertissement à propos des pièges. Criminel de guerre ne laisse généralement pas d'avertissement pour ce genre de choses. En effet, j'étais lui, je ne serais pas non plus content de recevoir des gars du coin. Content. Bon, on va revenir. Hein, prépare-toi à être annihilé. Un pas de plus. Vous les vagabonds, vous ne me laissez jamais tranquille. C'est toi Sam Walker, également connu sous le nom de Dodger. C'est moi qui pose la question ici, mon pote. Attends, je t'ai déjà vu quelque part. Mais oui. C'est toi qui as semé le chaos dans les secteurs frontaliers avec tes recherches. J'ai un visiteur célèbre, c'est hallucinant. Si j'avais su que tu passerais, j'aurais mis la table. J'ai tellement de questions. C'est tant bien aussi. Ça va, une fois que je me serai libéré, je te signerai un autographe. Pour l'instant. Je peux te libérer moi-même. Et on doit faire quelque chose à propos de ton désir de me tuer. Et pourquoi ferais-je quelque chose à ce sujet? Je récupère toujours ma prime. Et bien tout d'abord, je suis un de tes fans. Ensuite, j'ai entendu dire que tu étais à la recherche de Maréchal Noir. Je peux t'aider. J'ai entendu beaucoup de choses pour un simple ermite d'une planète isolée, hein. Je n'ai pas vu cette énorme antenne parabolique sur mon toit. Alors mon pote, tu me permets que les ennuis, ça fait 2 ans que je mets sur le secteur frontalier, sans dessus-dessous, je ne suis censé croire que, hein, comme toi, il y a des informations dont j'ai besoin, un minable comme toi. C'est pas vraiment ça mon pote, tu es pris au piège et ce misérable t'offre un indice ainsi que ta liberté en échange d'un service. Quel genre de service? Je cherche quelqu'un moi aussi et on dit que tu es du genre persévérant. Alors, dois-je mettre la table? Aiden, même s'il ment, on n'a aucune piste à part cette chasseresse. Très bien, détache-moi. Et si tu essaies de me jouer un tour, n'essaie simplement pas de me jouer un tour. Oula! Quoi, t'as changé d'avis? Non, je viens de me rappeler que je n'ai que de la viande. Ok, super, ça a coupé d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris ça, j'ai coupé. Ah ouais, il est là.
Alors, comment tu as réussi à revenir à la vie? Maréchal Noir, t'as dit que tu savais où le trouver. Oulala, je n'ai pas dit que je savais où il se trouvait, j'ai seulement. Je sais seulement comment le savoir. Ravi de t'avoir parlé, Jonathan, ouvre le sas, notre invité s'en va. Eh, tu n'as pas vraiment ce qu'un simple ermite sache où trouver le Maréchal Noir, quand même. Personne dans ce monde ne peut avoir autant de chance, mais je peux t'aider à retrouver sa trace, promis. Et puisque tu n'as toujours pas jeté par-dessus bord, dis à ton ami qu'on doit aller dans les mondes du noyau. Qu'y a-t-il là-bas? Des vieux associés sur Gigapolis, ils peuvent nous aider. Jonathan, mets le cap sur Gigapolis. C'est fait. Au fait, peux-tu me dire qui a mis la prime sur ma tête? Tu as détourné un vaisseau, alors ils ont mis une prime sur ta tête. C'est pas comme si j'avais détourné un cuirassé, personne n'irait à Rust juste pour attraper un pirate de l'air de bas étage. Peut-être que ce vaisseau comptait beaucoup pour quelqu'un. À tel point que je dégage constamment des bouts d'assassins de mes pièges. On en reparlera une fois que je serai sur les traces du maréchal. Alors, Gigapolis, à quoi ça ressemble? Oh, ça va être magnifique. Et sur Gigapolis, et ensuite je contacterai mes contacts, je visiterai quelques anciens repères et je reviendrai avec un plan pour dénicher le maréchal noir. Et quelle partie de ce plan implique ta fuite et ta disparition pour toujours? Nous, mon pote, on a un accord. Quand tu auras tes informations, tu devras faire quelque chose pour moi. D'accord, et combien de temps devrais-je t'attendre? Beaucoup de choses ont changé ici en 10 ans. Alors t'as quelques jours à tuer. Va te promener, détends-toi, attrape quelques criminels. J'ai oublié de demander si tu étais déjà venu ici. Tu veux une visite guidée? Je trouverai mon chemin. Non, non, mon pote, ça ne marchera pas sur Gigapolis. Premièrement, tu dois savoir que bien que l'Empire ait disparu depuis longtemps, les sujets à l'égard des trois bras n'ont pas changé ici. Ne te laisse pas duper par cette démonstration de tolérance envers les différentes races. Alors veille à ne pas trop agiter ton outil. Deuxièmement, la planète entière est une grande ville de gratte-ciel entrelacés. Le nombre d'étages est un indicateur du statut social. Ce qui signifie qu'on ne sera pas trop les bienvenus aux étages supérieurs et inférieurs. Troisièmement, on ne doit pas se faire remarquer. Tu as peut-être accepté la prime concernant dans ton système, mais je suis toujours recherché. Compris, merci. Bah vous savez quoi? Jonathan, y a-t-il du nouveau concernant la recherche de l'assassin de Billy? Qui a vérifié 67% des études, mais il n'y a aucune correspondance jusqu'à présent. En fait, il y a un club de chasseurs à proximité, tu y trouveras peut-être quelque chose là-bas. Tu pourrais peut-être demander si quelqu'un connaît la chasseuse à trois bras. Ce n'est pas ma meilleure idée, je dois bien l'admettre. Bon, comment on va là-bas? Le club s'appelle le Dead Grip. L'ascenseur au bout de la rue y mène directement. Mais
sur ce, Et sur ce, on va s'arrêter là, messieurs, dames. C'est juste bien comme ça. Pardon, c'est juste bien comme ça. La prochaine fois, on ira dans Gigapolis. Il va y avoir sûrement des missions, des trucs. Je vais acheter... Je vais pouvoir acheter le truc pour repousser les balles. Ça sera cool. Et puis... puis d'autres choses, puisque j'ai 7000. Et puis, oui, il y aura sûrement des primes, des machins, puis on verra ça. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis... Pardon, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. À ciao les amis.